Alors, une méthode extrêmement novatrice pour vaincre le bégaiement qui concerne quand même 700 000 Français. 770 000. 770 000. Mmh. 770 000 Français souffrent de bégaiement. Alors, le bégaiement, ça fait rire tout le monde. C'est-à-dire quand on se retrouve dans un endroit où il y a quelqu'un de bègue, très souvent, la personne subit des moqueries, des railleries, des quolibets. Et en fait, toutes les personnes bègues souffrent. C'est un vrai handicap qui va vers l'exclusion. C'est-à-dire que la situation d'un enfant bègue à l'école, c'est tragique. Tous les enfants que j'ai rencontrés vous racontent qu'ils se font battre à la récréation, on se moque d'eux. Donc c'est vraiment quelque chose de très important et quelque chose qui, effectivement, va scléroser les gens. Alors, il y a plein de méthodes pour vaincre le bégaiement, mais ça ne fonctionne vraiment pas de manière géniale sur énormément de personnes. Donc là, je me suis intéressé à un ancien bègue, un monsieur qui s'appelle Christian Boisard, qui a créé, après 40 ans de bégaiement, a réussi à créer une méthode pour ne plus bégayer. Ouais. Et je vais vous montrer ce matin que grâce à cette paille, voilà le premier pas pour ne plus bégayer. Et vous allez voir, sa méthode est vraiment innovante. On en reparle juste après ce reportage. Bonjour. Comme 770 000 Français, Calvin est bègue. Un trouble qui, s'il prête à rire, est une souffrance atroce au quotidien pour ses victimes. Un handicap qui sournoisement les coupe de la société. Je suis bègue depuis la naissance. Ça me gêne quand ça ne manque que de moi. Ça me faisait du mal. Et si je vous disais que l'on peut guérir du bégaiement grâce à une méthode novatrice inventée par Christian Boisard, un ancien bègue profond? Vous avez le bégaiement d'un côté et après vous avez l'habitude d'être bègue. Le plus compliqué, c'est de vaincre l'habitude. Bec, c'est quoi? C'est d'avoir les épaules crispées, de ne pas respirer. Chaque cas est différent. Chaque caractère est différent. Donc, ce qui fait ma force, c'est que je travaille sur chaque cas. Là, on va vous remettre la respiration à l'endroit. La paille, c'est la faculté de nous envoyer l'air immédiatement dans le ventre. Et c'est avec l'air du ventre que l'on parle, ce n'est pas avec l'air des poumons. Et chez nous, Bec, on parle avec l'air des poumons. J'ai 12 ans. Je fais de la course à pied. Quelles sont tes ambitions dans la vie alors? Devenir ingénieur. L'énorme majorité des participants à ce stage vient ici chercher un remède miracle après avoir suivi le chemin classique de l'orthophonie. Malgré un coût très conséquent, pour 3 jours, tous les stages affichent complet. J'ai fait mon stage ici il y a 5 ans et en pratiquant les exercices plusieurs mois après mon stage, j'ai commencé peu à peu à voir des résultats énormes. Si tu n'inspires pas, tu vas bégayer. Le bégaiement n'est pas une maladie, ce n'est pas une tare non plus. On est avec des sens que d'autres n'ont pas. Donc ce que je leur apprends, c'est à s'écouter eux-mêmes. À partir du moment où ils s'écoutent parler, où ils gèrent, c'est émotionnel de par la respiration, là, ils n'ont plus aucun problème. Pour aider les bègues profonds, Christian utilise sa propre méthode d'hypnose. Vous inspirez, expirez, progressez. Si la Fédération des orthophonistes reproche à Christian Boisard l'exercice illégal de leur métier, force est de constater que grâce à sa méthode qui sort des sentiers battus, aujourd'hui, Sarah peut dire comme Mary Poppins... Supercalifragilisticexpialidocious. Ça va mieux. Ah oui, elle est guérie, parce que là, même quand on n'est pas bègue, on a du mal à le dire. C'est pour ça que j'ai voulu qu'elle me dise. Même avec une paille. Voilà. Bon, alors donc, apparemment, c'est une méthode qui marche. Écoutez, j'ai été bluffé. Donc ça fonctionne sur l'expiration. Voilà, c'est-à-dire que l'exercice de la paille, vous allez aspirer de l'air, vous allez remplir vos poumons et vous allez sortir la phrase avec l'air qui sort. C'est-à-dire un peu ce que faisait Louis Jouvet ou Charles Dullin. En tant que comédien. Donc ça, c'est le principe de base. Après, il y a un travail sur l'hypnose et un travail, effectivement, plus en profondeur, qui va permettre... Alors, Christian Boisard fait des stages de 3 jours. Et ça suffit, 3 jours? Alors, 3 jours pour apprendre la méthode, la comprendre, pour qu'il puisse vous orienter, parce qu'il fait du cas par cas. Et après, ça va être à vous de continuer à faire les exercices qu'il vous a prescrits. Et en général, il faut 5 mois, entre 3 et 5 mois, pour pouvoir perdre totalement son bégaiement, comme Sarah. Mais c'est une méthode qui est absolument inouïe. D'accord. Les gens viennent de Russie, des États-Unis, du Canada pour suivre ces stages. Donc c'est vraiment quelque chose de novateur et d'intéressant à suivre. Parfait. Bah, vous trouverez les coordonnées sur notre site internet.